Hello. Thanks. Thanks very much, every, everyone for coming tonight. Uh, I'm afraid I'm going to have to read in English because I my French is terrible. But Marguerite is going to translate for us. Um, I'm going to read a few cartoons and talk a little about my process, and then we'll sit down with Marie Madeleine and talk about um, and have a little interview. Donc merci beaucoup à tous d'être là. Je vais devoir lire en anglais malheureusement mon français ne me permet pas de le faire en français mais donc je vais traduire en tout cas lire les traductions du livre euh, et je vais parler aussi un peu de mon, ma façon de travailler et puis euh, donc je vais lire les comics et ensuite parler un peu de la façon de travailler. et ensuite on aura une discussion avec Marie This first one's called Mathematical problems for novelists. Susie has written 12 chapters of a novel. Her editor asks her to cut three chapters and revise eight chapters. Susie a écrit chapitres d'un roman. Son éditeur lui demande d'en couper trois et d'en réécrire huit. How many glasses of wine does Susie drink that night? Combien de verres de vin Susie boit-elle ce soir-là? Every day, Paul spends three hours procrastinating... Two hours worrying, and one hour napping. Chaque jour, Paul consacre trois heures à la procrastination, deux heures à se faire du souci, et une heure à faire la sieste. How long until the publisher asks Paul to repay his advance? Quand l'éditeur de Paul lui demandera-t-il de rembourser son avance? Anne writes a new novel every six months. Three quarters of Anne's novels are bestsellers, and two thirds win prizes. Anne écrit un nouveau roman tous les six mois. Trois quarts de ses romans sont des best-sellers et deux tiers remportent des prix littéraires. How much do you hate Anne <laughs> À quel point détestez-vous Anne So, uh, these cartoons appear every week in the Guardian newspaper on Saturdays in the review section, which is their kind of arts and books section. Donc, ces bandes dessinées paraissent tous les samedis dans le Guardian, dans la partie critique et euh, la partie review, euh, qui est, euh, qui est le, leur section bande dessinée, euh, leur euh, magazine consacré à l'art. Uh, um, just, just et donc j'ai fait une fois leur, la couverture et c'était pour un numéro spécial avec beaucoup de choses sur le voyage dans le temps. So I've been making cartoons for the Guardian since 2002. This is the first uh, illustration I ever did for them which I don't love seeing now but uh, it's it's kind of charming because it was the beginning of my career with them and for the last 17 years I've been making these weekly cartoons. Et donc, je, je fais des dessins pour eux, des cartoons pour eux depuis 2002. Ça, c'est le premier que j'ai fait, que je n'aime plus tant que ça maintenant, mais qui me quand même de voir parce que ça fait 17 ans que je dessine toutes les semaines pour eux. So, I have this little space on the page. You can see it there under an interview with Neil Gaiman. And I like the feeling that I've got this little rectangle, and every week, it's my job to be entertaining and to to find a new way of dividing up that space and telling a little story. and so i have my little space reserved, like you were under the interview with neil gaiman, and i like the idea that each week i have to find a new way to be amusing and to use that space to divide it up and to tell a story. and the drawings for the cartoon, as, as you'll have seen, are really pretty simple, and the, the difficult part is coming up with the ideas. so i'm always on the lookout for ideas. I, Je dois faire un cartoon de littérature chaque week et un cartoon de chaque week. Donc, so mon notebook et mon sketchbook sont les places où je suis toujours spending mon temps sur la partie difficile, qui est une idée d'idées fâcheuses. Donc, vous l'avez vu, les dessins sont assez simples. Donc, la partie la plus difficile, c'est de trouver des idées. Euh, je dois faire chaque semaine un cartoon sur la littérature et un autre sur la science. Et donc, je suis tout le temps dans mes petits carnets à essayer de trouver des idées. So I have the, the big black sketchbook which I carry around in my bag and a little red sketchbook that I always have in my pocket because I'm always on the hunt for ideas. And this is one of the pages of the big sketchbook and I just sit and doodle and it's not so much about what the page looks like even donc ça c'est une page du grand carnet et le plus important en fait je dessine un peu comme ça au hasard c'est pas tant l'allure que ça mais que le processus et le lien qui peut d'un dessin à l'autre m'amener à trouver des idées amusantes pour faire une bande dessinée complète and this is the little sketchbook and i i sort of chose two pretty pages to show you and i i sort of realized when i thought about it that neither of them any of the ideas actually turned into a cartoon and often that's the paradox that when i have a good idea i'm in a hurry to finish it and you end up with rather a messy page and when i'm sort of going round in circles and not quite getting anywhere they can be much prettier like these ones but hopefully Donc ça c'est une page du petit carnet et je me rends compte que j'ai choisi deux pages avec des dessins qui sont très jolis mais en fait aucune de ces pages, aucun de ces dessins n'a donné lieu à un cartoon au final aucune de ces idées n'a fonctionné parce que très souvent quand on trouve une bonne idée on se dépêche vite de la griffonner alors que quand les idées ne mènent nulle part on a bien le temps de fignoler son dessin mais un jour peut-être je reviendrai à ces dessins-là et ça donnera quelque chose. And the, the third place I write down ideas is I have a, an app on my phone. And if I have an idea and I feel I'm going to lose it if I even spend time looking for my sketchbook, I can just quickly tap in an idea. And my, almost my rule with myself is I write down an idea if it's bad, if it's kind of 5% of a good idea, I put it in there. Some of these things don't make any sense, but maybe I'll come back to it and it'll spark something. Et donc, j'ai un troisième endroit où je note mes idées, qui est simplement une application bloc-notes sur mon téléphone. Quand je sens que rien que le temps de sortir mon carnet, je risque de perdre quelque chose. Et la règle que je m'applique, c'est que je note toutes les idées, même mauvaises, même quand il y a 5% de chances que ça devienne une bonne idée, je les note parce que j'y reviendrai et peut-être qu'il en sortira quelque chose. pile sketchbooks et donc voilà tous mes carnets et quand je suis vraiment bloquée j'y reviens parfois en espérant qu'il y ait un truc en or que j'ai loupé là les premières fois et une fois que j'ai l'idée et que ça fonctionne dans le sketchbook c'est vraiment la partie difficile et puis je vais continuer à faire le dessin et le mettre dans le rectangle pour le newspaper et ça implique de faire un dessin et de travailler sur ça jusqu'à ce que c'est juste correct and then tracing it on a light box which means i can trace onto regular paper and i make a a very neat ink drawing and then i colour that on the computer Et donc une fois que j'ai trouvé une idée qui marche sur le carnet, le plus dur est fait. Et là, je peux passer au dessin à proprement parler, à faire tenir ça dans mon petit rectangle de ma chronique du Guardian. Euh, et là, je prends le temps de bien dessiner au crayon. Et ensuite, je passe sur la table lumineuse pour faire un dessin net à l'encre. Et après, je colorie euh, sur ordinateur. Et donc maintenant, je vais lire quelques cartons de plus, et puis avec quelques-uns, je montrerai les esquisses aussi. The les the bibliothécaires. On les croyait vaincus, mais on les avait seulement repoussés sous terre. Then one day, the came back. Puis un jour. The Sorry. With superior organization skills, they quickly seized power. Opponents were mercilessly shushed. Puis un jour, les bibliothécaires revinrent, dotés de compétences organisationnelles supérieures, ils s'emparèrent rapidement du pouvoir. Every building was converted into a library, every wall into bookshelves. Chaque bâtiment devint une bibliothèque, chaque mur une étagère. Chaque passeport, une carte d'abonnement. Notez les petites différences avec la tradition. Every person into a library card holder. Voilà, chaque passeport, une carte d'abonnement. Le monde entier fut structuré sur le système de classification décimale d'Oui. On n'aurait jamais dû déconner avec les bibliothécaires. <laughs> um that one came about because in the UK the, the government's been kind of defunding like libraries a lot and I wanted to make something in support of the librarians but I didn't want to make a cartoon which was "Ooh, aren't librarians all lovely I sort of thought if I do the opposite and make them the kind of villains then that's kind of I think people get the point that it's absurd and hopefully the librarians understand that I'm really on their side Donc ce carton il est venu parce qu'il y avait une politique en Angleterre de, de couper les financements des bibliothèques et je voulais faire un, un, des dessins en soutien aux bibliothécaires et je me suis dit je ne peux pas faire un truc tout mignon en disant qu'ils sont formidables. Euh, donc je me suis dit au contraire si je fais deux les grands méchants on va voir c'est absurde et j'espère que les bibliothécaires comprendront que je suis de leur côté. This one's called some useful new words for readers. Encroaching melancholy as you approach the end of a good book. Melancholy naissante à l'approche de la fin d'un bon livre. Leichtelbucheifersucht. Envying someone enjoying a light fun book while you struggle through a long worthy one. <laughs> Jalousie comporte à celui qui se délecte d'un livre léger alors qu'on se débat avec un texte ardu. Stapelschuldgefühl. Guilt felt upon buying new books when you have a pile of unread ones at home. Culpabilité liée à l'achat de nouveaux livres alors qu'on a une pile non lue chez soi. Buchverlusterleichterung. Relief upon finding that you have lost your copy of a book that you weren't really enjoying. Soulagement que procure la perte de l'exemplaire d'un livre qui ne nous plaisait pas vraiment. Uh this is my sketchbook page where I was working out as somebody who doesn't speak German how to come up with some German compound words and I didn't want Germans to read them and say well that doesn't work so I got my friend Frank who's German to help me so this is a rather messy page where I used Google Translate to do my bad versions and then Frank helped me to make them more silly but possible Donc ça, c'est la page de croquis où j'essayais de fabriquer ces mots allemands, alors que je ne parle pas allemand. Et donc j'ai demandé à un ami Franck, qui lui parle allemand de vérifier, parce que je voulais que ce soit euh, idiot, mais crédible quand même pour les Allemands. Donc c'est pour ça que c'est un peu en bazar, parce que j'ai utilisé Google Translate, puis je lui ai demandé de m'aider. So, j'ai survolé votre projet. The pages with stickies on them Are the ones that need a little bit of work. Et je l'ai annoté à l'aide de ces notes jaunes autocollantes. Les pages avec feuillets sont celles qui demandent un peu de travail. And the pages without stickies are the ones that need an absolutely huge amount of work. Et les pages sans feuillets sont celles qui ont besoin d'une quantité phénoménale de travail. I always feel a bit bad when I read when I, I read a cartoon live that's kind of. A little bit negative or cruel about editors and publishers, especially when my editors and publishers are in the audience. But um, it's, it's, all taken with, it's all written with love, and unfortunately, happiness isn't very funny, and failure is, tends to be better in cartoons. I'm feel a little bit mal when I write something d'un peu negative about the editors, etc., alors que my editor is in the salle, But euh, the bonheur, is not very drôle, donc, alors the l'échec in general, is a little marrant tragic deaths in the badly written novel choked on a piece of terrible dialogue etouffé avec un dialogue navrant lost forever down a colossal plot hole disparu dans un gouffre béant de l'intrigue drowned in a sea of unnecessary details noyé dans une mer de détails inutiles Died from a fall in a bungled cliffhanger. Chute mortelle sur fond de suspense, suspense ridicule. Crushed by an enormous chunk of exposition. Écrasé sous le poids de l'exposition. Um, there's a, an American illustrator called Edward Gorey, who I've always been a huge fan of his. Uh, he does very gothic, funny cartoons with lots of cross-hatching and all all my work is slightly inspired by him but this one was uh, particularly inspired by my love of his work. Yeah, this designer américain que j'aime particulièrement qui s'appelle Edward Gori et tout mon travail est très inspiré de lui, il fait beaucoup de hachuré comme ça. Ce dessin en particulier s'inspire de lui. Judging by the amount of time that she spends staring out of the window at us She's either a very committed ornithologist or a very unfocused writer. en juger par le temps qu'elle passe à nous observer par la fenêtre, soit c'est une ornithologue professionnelle, soit une écrivaine fort dissipée. And this is the sketchbook page where I was working, working out what to do with the birds. And I, I sometimes get cartoons like this where it could go either way. It could be a sight. I could have pushed the ornithology angle. and done as a new scientist cartoon or the writer angle and take it to the guardian and it felt a bit more writery it was also at the beginning of of lockdown so we were all spending a lot of time indoors peering out the window Donc là, c'est la, la page de mon carnet de croquis où je me demandais encore ce que j'allais faire de ces oiseaux. J'aurais pu les pousser dans le sens ornithologique et en faire un cartoon scientifique. Ou plutôt pour le Guardian, et j'ai trouvé que ça évoquait plus la littérature. Et puis c'était le début du confinement, on passait beaucoup de temps à regarder par la fenêtre. The overly complex thriller. Intriguing conversation. Conversation intrigante. Inexplicable death. Mort obscure. Puzzling phone call. Appel déroutant. Disorienting chase. Poursuite déboussolante. Mystifying documents. Documents trompeurs. Perplexing double cross. Trahison inexplicable. Convoluted search. Recherche alambiquée. Unfathomable conspiracy. Complot imbitable. Impenetrable explanation. explication impénétrable bewildering showdown déroutante confrontation baffling ending fin déconcertante. Um, and i like using these very simple little stick figures for my cartoons sometimes i get a bit more complicated but often for humour having a very pared down um, drawing of a person which can be read almost like a simple font is is kind of useful and I really enjoy the the challenge of um conveying things with with these very simple stick figures. J'aime bien les les personnages très simples presque comme des bonhommes bâtons euh j'aime bien le défi que ça représente c'est presque comme un, des caractères en fait euh, d'arriver à faire passer l'histoire avec ces personnages tout simples. And this is a selection of um of stick figures cut out of various cartoons I've done over the years. Ça c'est une sélection de personnages extraits de cartoons que j'ai dessinés au fil des années. Coronavirus advice from a regency novel. Stay home. Rester à la maison. Like a young lady ostracized for unbecoming behavior. Comme une jeune femme exclue pour comportement inconvenant. Socially distance. Respecter la distance sociale. Like secret lovers comme des amants secrets sous l'œil attentif d'une tante revêche. Lavez-vous les mains. Comme une duchesse après un contact avec le garçon porché. Portez un masque. Comme un gentilhomme en route pour un rendez-vous galant au clair de lune. um this this cartoon and the next one were both done during the coronavirus lockdowns, which were pretty bad and depressing time in lots of ways. but I found I did some quite good cartoons that I was happy with, and I think maybe it was there was a kind of a a thing I could reference that everybody was going through at the same time so everybody in britain at that time was was the news was saturated with coronavirus so i didn't have to think that hard about a topic and i just had to find a an interesting way into it and that was the kind of almost the opposite of modernity of the um regency novel Alors, le dessin précédent, le cartoon précédent et le suivant, je les ai fait pendant l'épidémie de, de coronavirus et je les aime bien. Je crois que j'avais quelque chose que je pouvais évoquer, que tout le monde était en train de vivre en même temps. Le coronavirus était partout dans les news en Angleterre et il fallait juste trouver l'approche intéressante et ça me paraissait être exactement l'opposé, justement, de ce temps, ce temps du roman de la Régence. The Bookshop Cat and the Pandemic. The carefree days before. Les jours insouciants d'avant. The terrifying early weeks. Les premières semaines terrifiantes. The long months of lockdown. Les longs mois de confinement. The triumphant reopening. La réouverture triomphante. Um, and people often ask me, you know, where my ideas come from, and. And often it's just sitting and thinking and scratching my head. But weirdly, in this one, you can kind of see in my sketchbook how it came about. Uh, I did a kids' book last year, and I was thinking about some promotional items, and I had this idea. I saw a lost cat poster and thought I could do a lost children poster, because that's what happens in my book. And I don't know why it says finish your vegetables on it. I have no memory of why that's written there. Donc ça, c'est le croquis correspondant et on me demande toujours d'où viennent mes idées. La plupart du temps, bah, j'attends juste que ça se passe et puis une idée apparaît. Là, je peux tout à fait raconter d'où ça vient. Euh, je venais de faire un livre pour enfants et j'avais vu une affiche pour un chat perdu et je me suis dit, tiens, pour la promotion de ce livre pour enfants, je pourrais faire une affiche pour les enfants perdus parce que c'est ça qui se passe dans l'intrigue. Le, dans le, par contre, je ne sais pas du tout pourquoi c'est écrit euh, Finish Your Vegetables à gauche qui veut dire Termine tes légumes. Um, and so I drew this cat with a marker pen. I must have not found my usual pen, and it bled through onto the next page and kind of inspired me to start drawing cats. And then that led, led to the cartoon. So it was, it was a kind of weird circumstance of, of that thing appearing on the page. And you can also see here how badly I draw cats, and it took a lot of tracing and redrawing to get the cat that appears in the cartoon. Donc j'ai dessiné ce chat au marqueur parce que j'ai pas dû trouver mon feutre habituel et du coup, il a traversé la page, ce qui de l'autre côté sur l'autre page de mon carnet m'a donné envie de dessiner plus de chats et c'est comme ça que ce cartoon est né et vous voyez que je suis vraiment pas très douée en dessin de chat et que j'ai dû beaucoup travailler pour aboutir au dessin final. This is called Great Lost Sentences. 1813. Jane Austen writes a sentence so charming and witty that it gets married to the richest man in Staffordshire. 1813. Jane Austen écrit une phrase si charmante et si spirituelle que celle-ci épouse l'homme le plus riche du Staffordshire. 1903. Henry James writes a sentence so long and circuitous that he becomes lost inside it for three days. 1903. Henry James écrit une phrase si longue et tortueuse qu'il s'y perd pendant trois jours. 1947, Raymond Chandler writes a sentence so hard-boiled that it spikes his drink, steals his savings, and frames him for a murder. 1947, Raymond Chandler écrit une phrase si méchante qu'elle empoisonne son verre, lui vole ses économies et le fait accuser de meurtre. This one's called. Let's just. That's it. Uh, classics reissued with lower standards. The adequate Mr. Ripley. Oh, yeah, it's written there. George's Passable Medicine. Reasonable Expectations. The Mediocre Wizard of Oz. The OK Gatsby. The reclusive author tells us about his writing day. I wake at the same time every day and after a breakfast that I am unwilling to discuss, go to a room that I will not describe and write in a manner that I do not wish to talk about. Tous les jours, je me réveille à la même heure et après un petit-déjeuner dont je ne dirai rien, je vais dans une pièce que je ne décrirai pas et j'écris d'une manière qui m'est propre. People often ask me if I use a typewriter. A word processor or a pen? I never tell them. On me demande ce que je préfère, la machine à écrire, l'ordinateur ou le stylo. Je ne réponds jamais. When I have written a specific number of words, I stop. The way I choose to spend the rest of my day is a private matter. Lorsque j'ai écrit un certain nombre de mots, je m'arrête. La façon dont je choisis de passer le reste de ma journée me regarde. the reclusive author will neither confirm nor deny that an as-yet-untitled new book may or may not be published at some time in the near or far future. L'auteur reclus ne confirmera ni n'infirmera qu'il fera paraître ou non un nouveau livre sans titre à un certain moment dans un avenir proche ou lointain. Uh, and I'm not a reclusive author, and, and I'm happy to talk about my process, but he is one of the things I do to come up with ideas is walk. I drink coffee and I walk. I walk to my studio drinking coffee and then I work and if things don't go well I walk to a cafe, drink more coffee and think more. And there's something for me about the act of walking slightly caffeinated which is the closest thing as I've got to a a system for coming up with ideas. Alors moi, je ne suis pas un auteur reclus, mais par contre, pour trouver des idées, je marche beaucoup. Je bois beaucoup de café et je marche. Je prends un café, je marche jusqu'à mon atelier. Si ça ne fonctionne pas, je vais prendre un autre café dans un café. Et ce qui fonctionne bien pour moi, pour trouver des idées, c'est de marcher avec un, un certain niveau de cocaïne dans le corps. Caféine. J'ai dit caféine, non <laughs> The caffeine's my process, <laughs> cocaine <laughs> is her process. <coughs> Toutes <mes> excuses. <laughs> 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 after, <laughs> after the talk, you can have some cocaine. <clears throat> um, this one's called bedtime reading routine. Get into bed. Se mettre au lit. Take book from bedside table. Prendre le livre sur la table de chevet. Open book at marked, place, uh, sorry, open book at marked page and place in Ouvrir le livre à la page marquée et le placer sur ses genoux. Attraper le téléphone et parcourir les réseaux sociaux pendant 45 minutes. Replace le signé et s'endormir. Whenever I spend any time with my mum and anything even vaguely amusing happens, she always says, "Ooh, Tom, this will make a good cartoon," which is almost always not true. Um, but this, in this case, this is one of the very few cartoons where I did almost exactly what was described there, and then thought, "Aha, this will make a good cartoon." And since I've done it, I've met so many people who've said, "I do that." Ma mère me dit toujours, dès qu'il se passe quelque chose de drôle, « Ah, Tom, ça ferait un super cartoon, tu devrais le dessiner », et la plupart du temps, c'est faux. Mais euh, ça, c'est un des rares cas dans lesquels j'ai fait exactement ça, et en fait, depuis que je l'ai dessiné, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, ben bah, oui, je fais exactement ça ». Ok, now, this is the last cartoon I'm going to read, and it's very short. I married a memoirist, so I suppose I must accept this unflattering portrait of me. J'ai épousé une biographe. Je dois donc accepter ce portrait plus flatteur de moi. But your description of untrue, Mais dire que Marlon est un mauvais chien est inexact, mesquin et impardonnable. Okay, thanks very much. Bonsoir. Ben, J'ai plus rien à dire. <laughs> Merci euh, infiniment, Tom god, pour euh, cette immersion très rare dans le processus de création euh, d'un artiste, d'un dessinateur. Euh, nous avons même appris la, la passion inavouable de Marguerite Capelle pour la cocaïne. <laughs> Euh, puisque vous avez euh, eu la gentillesse de nous faire partager euh, votre processus de, de, de travail, de création, euh, je propose, il ne me reste que ça à faire, de vous mettre sur le divan du coup, et d'aller chercher les origines de ce travail d'une certaine manière d'essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a amené à faire justement ce travail de recherche humoristique euh, autour de, des thématiques qui, qui nous occupent aujourd'hui, c'est-à-dire la littérature, parce qu'il était question de ça aujourd'hui, mais également la science, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que vous faisiez aussi des, des dessins pour une revue scientifique euh, je sais que vous êtes né en Écosse euh, et vous avez fait des études d'art euh, et que c'est évidemment ce que vous avez travaillé à faire et à apprendre. Mais qu'est-ce qui vous a euh, donné envie de dessiner, de raconter des histoires Et est-ce que, ce sera peut-être dans une deuxième partie, une question dans une deuxième partie, est-ce que l'humour a toujours fait partie de, de votre univers well, um I didn't always want to tell stories, but I always loved stories, and I loved comic books. Um, my parents were big fans of the local library, and they'd take us there every week. And the only comic books they had in the library were all the Asterix books and all the Tintin books. And so they—that was early on. I saw those, and I just loved looking at them and copying the drawings. But I just always imagined that I would draw and somebody else would come up with the stories and that writing stories was something that cleverer people did and it wasn't until I got to art school and my tutors encouraged me to make my own stories out of my pictures and I realised it's, it, it's almost, I, I realised it's almost more fun for me making stories than making pictures. I love to draw but more and more I love to draw to tell stories not to make. Um, Art to be admired. And what was the second part? Oh, sorry, you've got to translate, haven't you? Yes. En fait, je n'ai pas toujours voulu raconter des histoires, mais j'aimais les histoires. J'aimais la bande dessinée très jeune. Mes parents étaient très fans de la bibliothèque du coin et ils nous y emmenaient toutes les semaines. Et en fait, les seuls BD qu'ils avaient, c'était les Astérix, les Tintins. Et très tôt, je les ai adorés et j'ai copié les dessins. Mais j'ai toujours imaginé que je dessinerais, mais que quelqu'un d'autre raconterait les histoires. Pour moi, écrire les histoires, c'était un truc pour les gens intelligents. Et c'est arrivé au Beaux-Arts que euh, j'ai des professeurs qui m'ont encouragé à écrire des histoires pour aller avec mes dessins et euh, je me suis rendu compte que ça m'amusait euh, presque encore plus que de dessiner l'image. J'aime toujours énormément dessiner mais je préfère dessiner pour raconter une histoire que pour faire quelque chose une œuvre à admirer simplement parce qu'elle est belle. And j'ai remembered your question about l'humour in that little pause which is good. Um, there 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 always was humor in my work. but i'd sort of tried to deny that when i was at art school i wanted to be a kind of passionate artist who threw paint at a, a canvas and, and screamed from his soul and it was pathetic i was so i was so bad at that and it was just the worst work and we, and it was when i realized the work of mine that uh, was always best was when i um, made a silly birthday card for a friend or a, i drew a cartoon or, or drew a diagram without trying to be a passionate artist, then the humor and the lightness came out, and I realized that that was the, the work, work I made that was best. Je viens de me souvenir de la question qui portait sur l'humour dans mon travail. Je n'ai pas toujours euh, intégré euh, l'humour dans mon travail. Quelque... Enfin, il y en a toujours eu une d'une certaine manière, mais quand j'étais au Beaux-Arts, je le, je le niais un peu euh, parce que j'avais envie d'être cette artiste passionnée qui balance de la peinture sur les toiles et qui euh, hurle du plus profond de, de son âme et s'exprime comme ça. Et J'étais assez pathétique parce que en fait, j'étais euh, nulle quand j'essayais je, de faire ça. Euh, mes œuvres étaient vraiment très mauvaises euh, et je me suis rendu compte que mes dessins étaient beaucoup mieux. Quand je dessinais une carte d'anniversaire pour un copain ou que je faisais simplement un petit cartoon ou un, un schéma ou quelque chose comme ça, et parce que ça permettait à l'humour et à la légèreté de transparaître et que ce que je faisais était toujours bien meilleur. Vous avez dit que vous vous êtes découvert une vraie passion pour les histoires, plus peut-être encore que pour les dessins eux-mêmes. Euh, donc ma question est est-ce que vous avez été tenté par l'écriture, indépendamment du dessin, ou est-ce que ce sont deux modes d'expression qui sont chez vous indissociables et complémentaires um, Well, I, I I think a few years ago I would have said I feel much more confident drawing than I do writing because I've studied art at art school and it, since I was a little boy I just would go behind the sofa with some paper and just happily draw there for hours um so there's a natural comfort in drawing which i enjoy and writing feels like hard work and coming up with ideas feels like hard work whereas the drawing parts quite pleasurable um so the idea of writing and not getting to illustrate it feels like I'd just be doing the difficult part so I think even if I wrote a novel I'd want to put some illustrations in it because because I just love drawing En fait, je crois que je suis plus à l'aise dans le dessin que dans l'écriture parce que c'est ma formation, c'est ce que j'ai étudié, j'ai fait les beaux-arts. Depuis tout petit, je dessine, j'allais me mettre dans, dans un petit coin derrière le canapé pour dessiner pendant des heures. Donc en fait, c'est plus confortable pour moi la partie dessin alors que l'écriture, c'est quelque chose de difficile. Trouver les idées, j'en parlais tout à l'heure, c'est la, la partie la plus difficile alors que le dessin, c'est finalement assez agréable. Donc je me dis que si je devais écrire sans illustrer, je ne garderais que le plus dur du travail. Et je, si j'écris un jour un roman, euh, très probablement je l'illustrerai aussi. il y aura quand même une partie de dessin. Euh, est-ce qu'on pourrait dire que au-delà de, de, de cette euh, facilité qui est la vôtre d'aller vers le dessin euh, je parlais tout à l'heure de complémentarité on a pu voir tout à l'heure dans les dessins que vous avez présentés il y a des phrases qui nous font rire mais vous faites aussi un focus sur des expressions sur des situations. la dernière notamment avec le petit chien Uh, rien que son expression ajoute à, au, au processus comique uh, de ce qui vient d'être dit. donc, est-ce que c'est une façon aussi de raconter une histoire en silence d'une certaine manière, c'est-à-dire ce qui n'est pas dit, le sous-texte, comme on pourrait dire en littérature. yeah, absolutely. and i think you don't want to be um, doing anything in the writing which, can't be, which is being repeated in the images or Or vice versa, you need to choose the best, the best of the two to make things work. And drawings are great for subtlety, like that dog's description. The description of his expression wouldn't be funny, or to me would be less funny. It's it's the, the subtlety you can get in drawing, which can really um, happen in the audience's head rather than me telling them what to think. Oui, tout à fait. En fait, on n'a pas envie euh, que le texte répète ce qui se passe dans l'image et vice-versa. Donc, il faut à chaque fois choisir le meilleur médium pour dire ce qu'il y a à dire. Et le dessin, pour moi, est, est extrêmement subtil. Euh, la, une description en texte de l'expression de ce petit chien ne fonctionnerait pas du tout, serait beaucoup moins drôle pour moi euh, que l'image. Et puis, c'est aussi quelque chose qui se passe dans la tête du lecteur ou du public ici. Et c'est pas moi qui leur dis ce qu'ils doivent penser. And the fun you can have with a comic is sometimes the words and pictures can be saying opposite things, or the pictures can undermine the words, or sometimes my writing voice it could be a rather pompous uh, voice, and the images kind of undercut that and um, show the the writer part to be to be an idiot or a fool. So that's that's a real fun you can have with working with te text and images together. Ce qu'il y a de drôle aussi quand on fait dans la bande dessinée, c'est qu'il a à la fois les mots et l'image, et que parfois les mots et l'image s'opposent, disent le contraire. Je peux avoir par exemple une voix dans le texte qui va être extrêmement pompeuse, et les images vont venir contredire ça et faire passer cette, cette voix pour, pour idiote. Et c'est ça qui est très amusant dans la juxtaposition des images et du texte. Euh, dans, dans, dans le travail, de, dans la revanche des bibliothécaires et dans le travail que vous faites de façon plus générale pour Le Guardian, euh, vous, vous, faites, vous nous emmenez en immersion à la fois dans le milieu littéraire, dans l'édition, dans la vie des écrivains, où on sent qu'il y a. Une connaissance extrêmement euh, euh, fine euh, de ce milieu-là. Au-delà de votre propre expérience, puisque vous publiez, euh, est-ce que vous avez fait un travail euh, d'approche, euh, d'observation, de recherche auprès des éditeurs Est-ce que vous avez des amis écrivains que vous observez Comment est-ce que ça fonctionne Ou est-ce que vous allez chercher ces anecdotes Parce que, bien évidemment, quand on connaît un peu le milieu d'édition, et puis même quand on ne le connaît pas, mais simplement on s'y intéresse, on reconnaît énormément de choses. Tristement réel euh, dans ce que vous racontez. Euh, qu est -ce, quel est votre travail d'enquêteur, enquête, d'une certaine manière Well, a, a little bit comes from my personal experiences, which I then exaggerate, or I think, oh, imagine if if this meeting had gone totally wrong, or kind of imagining the worst case scenario of things. But a lot of the time, the the jokes are Some of them are quite dressed up in the the clothes of publishing, but often the the joke is quite a simple one about a, a, a person a, a sort of pompous person who is um, who's undermined or 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 the sort of failures we all have when we have great dreams and then they're undermined so a so a lot of the time I even come up with jokes sometimes and think well that that character could be a scientist, and I'll use that as a science cartoon, or that could be a writer, and all I need to do is find a few little details to make it convincing. Il y a une partie qui un petit peu qui vient de mon expérience personnelle et qu'ensuite euh, j'exagère. Par exemple, j'imagine, tiens, si cette réunion avait complètement euh, tourné au, au fiasco, j'imagine le scénario du pire sur chaque euh, petite chose que j'ai, petite anecdote que j'ai pu vivre. Mais bien souvent, ce sont des blagues qui portent les habits euh, qui sont euh, qui ont un habillage en fait dans le monde de l'édition, mais qui sont en fait euh, des plaisanteries toutes simples qui mettent en scène par exemple un personnage pompeux qui va être ridiculisé ou quelqu'un qui a des rêves grandioses qui vont complètement euh, foirer. Ça même de dessiner des personnages et me dire, tiens, ça pourrait être aussi bien un scientifique qu'un écrivain ou quelqu'un du monde littéraire et de décider assez tardivement, en fait, dans l'écriture de la blague, de quel côté je vais le placer. Est-ce que ça veut dire que le travail que vous faites aussi pour la revue scientifique fonctionne de la même manière C'est-à-dire que le contexte change, mais finalement, le mécanisme humoristique pour être le même dans un autre corps de métier ou est-ce que là aussi, il y a peut-être aussi un, un travail, vous êtes poussé à vous intéresser plus particulièrement à la science Well, I was quite worried when I started work for New Scientist because I did, I had been a reader for years and as you say, I'd had work published so I, I felt like I knew the world, the world of books reasonably well but I've had no scientific education and Don't know much about science, but I am a sort of fan, I suppose. Um, and I was worried that those cartoons would be hated by real scientists who would say that's not how we feel or that's not what happens in our world. This guy's a, a fraudster. But weirdly, they were very happy with what I've done. And I realized the life of the scientist isn't that different from the life of the writer. They're trying to make something new. They're trying sometimes to get published. They've got annoying bosses telling them how to do things they know how to do. It's all quite universal, really. En fait j'étais un peu inquiète quand j'ai commencé à dessiner pour la revue New Scientist parce que autant je lisais depuis des années, j'avais le sentiment de bien connaître le monde du livre, autant j'ai pas du tout de formation scientifique et je ne connaissais rien à la science. J'étais fan je pense qu'on peut dire ça, je me suis intéressée mais j'avais très très peur que les vrais scientifiques détestent mes bandes dessinées juste que c'était pas du tout comme ça leur vie et qu'ils me prennent pour un escroc mais en fait ils sont assez contents et je me suis rendu compte que la vie des scientifiques était pas très différente de la vie des écrivains. Euh, finalement les sont des gens euh, qui essaient de créer quelque chose de nouveau, qui essaient de se faire publier eux aussi et qui ont souvent un, un patron euh, vraiment euh, qui, les, qui les qui les ennuie quoi, et qui, qui n'arrête pas de leur dire ce qu'ils doivent faire. Euh, Est-ce que, euh, est que vous êtes un grand lecteur On voit... Vous avez cité quelques, quelques romanciers. On a vu Jane Austen. Quand on, quand on lit La Revanche des bibliothécaires, il y a une scène assez savoureuse aussi avec En Attendant Godot, mais sur Zoom, où Vladimir et Estragon attendent sur écran. Et il y a plusieurs comme ça. Oui, ça, ça vaut vraiment le coup. C'est très drôle. Est-ce que vous êtes un grand lecteur Est-ce qu'il est nécessaire d'être un grand lecteur pour faire ce travail humoristique sur ces œuvres Well, I think sometimes people read the cartoons and assume that I'm a sort of brain in a jar in a library who does nothing but read every single book, um, which definitely isn't true. I do like to read, but I, I'm not, I'm quite a slow reader, and I I just I read for pleasure, and I think that comes across in the cartoons. Um, but the difficulty is to. I don't want these cartoons to be a, t a reading test that you you need to have studied these authors to get the jokes. So the authors who are useful to me are authors who, even if you haven't read their book, you kind of know what their work is about. So I love Samuel Beckett, but he makes a good um, toy for me to play with because we all know, even if you haven't seen Godot, you know it's kind of bleak and. um absurd and nothing much happens and that's enough so if if you love waiting for goddo i think you can get maybe a little more out of that cartoon but you don't have to have read it and whenever i whenever possible i want you not to feel oh i should have read that book to get that cartoon parfois les gens quand ils lisent mes cartoons euh, imaginent que je passe euh, toute ma vie enfermée dans les bibliothèques, que je suis un rat de bibliothèque mais euh, en réalité c'est pas du tout vrai je, je lis mais, mais je lis assez lentement et je lis surtout pour le plaisir je pense que ça se sent d'ailleurs dans les dessins euh, la difficulté aussi c'est que j'ai pas du tout envie que ces cartoons soient comme un test euh, de culture littéraire, j'ai pas envie que les gens se disent ah, il faut absolument que je connaisse cette œuvre euh, pour avoir accès à, à cet humour là donc les auteurs qui me sont utiles c'est ceux qu'on n'a pas besoin d'avoir lu pour, euh, pour en savoir un, au moins un quelque chose qui permet de, de rire à la blague. Par exemple, j'adore Samuel Beckett, mais Samuel Beckett, est, il est parfait pour jouer avec, pour ce que je fais, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir lu en attendant Godot pour savoir simplement que c'est un truc absurde où il ne se passe rien, et ça suffit pour comprendre la blague. Après, si vous l'avez lu, vous retirerez peut-être encore autre chose du cartoon, mais je, voudrais, je voulais qu'aucun lecteur ne se sente obligé d'avoir telle ou telle culture littéraire. And I, I did I should admit, I, I did about three cartoons about Jane Austen before I'd read any of her books because she's got such a strong brand that she, you can play with her without having read the books. But then I felt so guilty that I then read three of her books and they were brilliant. So it, was, it all worked out well. Et je dois confesser que j'ai fait trois cartons sur Jane Austen sans avoir lu le moindre de ses livres parce qu'elle est tellement puissante rien qu'en tant que marque en fait que c'était ça marchait très bien mais je me suis sentie coupable donc je l'ai lu après j'ai trouvé ça formidable donc tout est bien qui finit bien Est-ce que euh, vous avez des il y a des dessinateurs qui vous ont influencé dans votre travail Est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une lignée euh, J'imagine qu'on a tous des influences. Est-ce qu'elles sont conscientes, en tout cas chez vous? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont marqué, qui vous ont accompagné dans votre uh, vie d'artiste? Um, eh well, bien, comme je l'ai mentionné dans the le présentation, il y a Edward Gorey, qui est un illustrator américain et qui fait les plus beaux livres étranges, qui ne sont pas but they're picture stories. And mais des histoires work Et j'ai découvert son travail pendant and j'étais à a d'art, et c'était une révélation. And I probably spent about a year doing work, which was absolutely ripped off from him, and but I learned learned from that, and I took some of the things that he does, which worked for me and hopefully moved away in other ways. But he was definitely an early influence, and then, in the years I've been making these um, these short cartoons, I've sort of discovered lots of people who make similar sort of things who work for the new yorker like ross chast whose work I, I think is absolutely hilarious and even gary larson from the far side whose work i loved as a kid i've sort of gone back to and appreciate more now that i make a similar sort of thing J'ai mentionné pendant ma présentation Edward Gorey qui est un illustrateur américain qui fait des, des livres assez étranges et très beaux qui ne sont pas vraiment des bandes dessinées mais des histoires racontées en images que j'ai découvert au Beaux-Arts qui a été une vraie révélation. Euh, j'ai passé un certain temps à, à faire des dessins qui étaient vraiment complètement copiés sur son, sur ses, son approche et euh, je m'en suis éloignée peu à peu en trouvant ma propre direction mais j'ai beaucoup appris de lui, ça a été une de, de mes premières influences. Et puis, au fil des années que j'ai passé à dessiner ces cartoons, ces strips très courts, euh, j'ai découvert aussi euh, d'autres gens euh, qui faisaient des choses similaires, notamment les dessinateurs, les illustrateurs du New Yorker comme Ross Chast, c'est ça Et euh, Gary Larson aussi, de The Far Side, que j'avais lu enfant, que j'ai redécouvert en, en faisant ces strips euh, courts. Euh, vous parlez justement d'avoir trouvé votre propre euh, dessin après avoir... Euh un peu copié. Euh, quel est euh, le processus Vous nous avez montré le processus de création tout à l'heure, mais je me demandais si vous alliez directement vers cette économie d'images et de mots, ou est-ce que vous autorisiez au départ à vous étendre, à étendre l'histoire, et qu'il fallait ensuite la ramasser. Comment ça fonctionne well, I think my drawing style came about, um, when i first started making comics because i was before that i was making illustrations and i was working in very complicated ways and and figuring things out but when i started writing comics the storytelling aspect was so difficult that i felt i don't have time to make these into beautiful complicated drawings i'll just do them with the simplest stick figures that i can make work and then maybe when i learn how to do comics and it's easier i'll, I'll I'll improve the drawing. But over the years, I, I haven't changed, and I've sort of realized that for the sort of joke telling I do, you want everything to be really clear. So, as you say, I, I will make a more complicated version and try and take away everything which isn't necessary for the joke, um, which doesn't mean. it's completely minimal because sometimes a bit of atmosphere or a bit of cross hatching really helps set up the joke so it's not about having nothing on the page but it's about taking away everything which doesn't communicate clearly Mon style de dessin, en fait, il est né vraiment quand j'ai appris à faire de la bande dessinée. Euh, avant, je faisais des, des, des illustrations et le processus de création était beaucoup plus compliqué. Je cherchais justement comment, comment, le, comment faire. Euh, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, je me suis rendu compte que raconter des histoires était tellement compliqué, tellement difficile que j'avais pas de temps à consacrer à des dessins extrêmement élaborés, extrêmement sophistiqués. Et donc, j'ai cherché la manière la plus simple de faire passer l'histoire à travers des bonhommes tout simples, des bonhommes bâtons, comme je disais tout à l'heure. Je me disais que plus tard, quand j'aurais appris un peu mieux à raconter des histoires en bande dessinée, j'améliorerais peut-être le dessin ou je le complexifierais. Et en fait, je me suis rendu compte au fil des années que je ne faisais pas évoluer ça euh, parce que ça correspondait bien en fait, au genre de blagues que j'avais envie de raconter. Il faut que ce soit très, très clair. Euh, et donc, parfois, je fais une version plus complexe et j'ai lag, effectivement, j'affine. En fait, il s'agit d'enlever tout ce qui est inutile. Euh, ça ne veut pas dire que c'est entièrement minimaliste. Il peut y avoir des choses qui sont là pour l'atmosphère, des hachures, des choses comme ça mais euh, j'enlève tout ce qui ne sert pas le, le propos et, et l'histoire. Euh, j'ai une question qui, peut-être, j'espère qu'elle sera claire parce qu'elle est un peu difficile à exprimer, mais euh, dans cette économie de moyens, dans la simplicité du, du trait, euh, j'ai évoqué tout à l'heure ce petit chien qu'on a vu à la fin, où en fait l'expression est très subtile. Euh, il suffit d'un trait, un oeil, on a l'impression que le, le point de crayon est posé. C'est un point. Vous n'avez pas dessiné un œil larmoyant ou euh, une expression particulière, juste un point. Euh, Est-ce que vous avez vous-même la réponse Qu'est-ce qui fait que l'endroit où on va poser le point va créer une expression euh, aussi intense Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu réfléchi ou c'est quelque chose qui vient naturellement trying to do with a comic is your you want as much of it as possible to happen in the reader's mind and it's almost like I'm I'm making a set of stepping stones across a river and I want the reader to find their own way across them so I'm and I want I want the gaps between the stepping stones to be the bigger the better the more the jump From what I've shown to to what they feel, the, the better, so I'm trying to keep things really simple and yet have as much happen as possible in the reader's mind. and the dot I, you I think you as a reader know what an eye is, and your imagination of a dog's sad eye is almost better than my drawing could ever be. So if it's just a dot and then you think. I know what a sad dog looks like. It's almost more moving to imagine it than for me to, to draw it. So it's, it's, it's about, comics are about reading, not about looking. So that, that dot reads as an eye, and I think that works uh, better. En fait, je crois que ce que j'essaie de faire avec la bande dessinée, c'est que le plus de choses possibles se passent dans la tête du lecteur. C'est presque comme si les dessins étaient des pas japonais, comme des pierres sur lesquelles on marche pour traverser une rivière. Le lecteur doit trouver le moyen de traverser. Et en fait, plus les pierres sont espacées, plus il doit sauter loin, mieux c'est. Parce que ça se passe du, coup, du côté du lecteur. Et c'est pour ça que j'essaie de rester le plus simple possible, cet œil qui n'est qu'un point. Le lecteur sait ce que c'est qu'un œil de chien triste. Et en fait, votre version imaginaire du regard d'un chien triste sera toujours infiniment meilleure que ce que je serais capable de dessiner. Et vous serez plus ému par ce qui va se passer dans votre tête au moment où vous l'imaginez que par mon dessin. Et la BD, c'est une affaire de lecture. On ne regarde pas juste un dessin, on le lit. Et si ce point se lit comme le regard d'un chien triste, ça fonctionne et ça fonctionne dans votre tête. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez également euh, fait un, un album pour pour la jeunesse hein, qui a publié euh, à l'école des loisirs. Alors, euh, si je ne me trompe pas, le titre c'est le petit robot de bois et la princesse bûche. Euh, ce qui m'amène à vous demander est-ce que votre approche, le travail que vous faites pour vous adresser à la jeunesse, est différent et si oui, en quoi um, Yes, it was different. It used a lot of the same... Tools. The drawing is quite similar. the The characters have smiley mouths, which often my characters don't have uh, mouths because I like the simplicity of just two dots for eyes. But for kids, they needed everything needed to be a bit warmer and friendlier. So I worked hard on on making things warmer and friendlier without losing. What I hope is good about my work. So there was a kind of balance there. I wanted it still to have minimalism and uh, a sort of simplicity, but, but to be welcoming to children. Uh, and the other big difference with a children's book, especially of the sort I wrote, which is very much a bedtime story, is you read a comic to yourself and you read the words and the pictures. um, at the same time, and as I was saying, they come together in the brain. Whereas a children's book is really a script for a performance by a tired parent to a, to a child. And it has to work where, where the parent's reading and the child is separately enjoying the pictures. So I really enjoyed finding out about that different uh, method of, of telling a story. Oui, c'est effectivement différent. J'utilise des... beaucoup d'outils qui sont euh, similaires. Le dessin est, est similaire, euh, mais euh, ils ont des bouches souriantes. Moi, bien les... je ne pas... Je fais pas de bouche à mes personnages d'habitude, parce que j'aime bien la simplicité d'avoir juste deux yeux euh, sous forme de poing. Euh, mais pour les enfants, il fallait que ce soit plus chaleureux, que les personnages aient une forme de bienveillance. Donc j'ai travaillé dur pour avoir des personnages plus chaleureux pour les enfants, sans perdre ce qui fonctionne euh, pour moi dans mon dessin, qui est ce minimalisme et et cette, cette simplicité. L'autre grosse différence, c'est qu'un livre pour enfants, en tout cas comme celui que j'ai écrit, c'est typiquement le, le livre à raconter le soir avant d'aller au lit. Et donc, contrairement à une bande dessinée qu'on lit tout seul et où on découvre en même temps les mots et les images, là, c'est plus une sorte de scénario pour une, une interprétation, une performance que va devoir livrer un parent fatigué pour ses enfants. Et donc, l'enfant va apprécier euh, séparément en fait les images pendant que les mots sont lus par l'adulte. Donc, c'est une façon de raconter des histoires qui est différente. Et j'ai beaucoup aimé aimé la découvrir. Ceci dit, c'est un peu ce que vous avez fait pour nous ce soir. Oui, d'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'ai découpé les images pour que vous ne voyiez pas les mots en même temps que les images quand je vous les lis. Donc, c'est le même processus. Euh, Est-ce que quand, on, on, quand vous avez euh, publié ce, ce, ce livre euh, en Angleterre, vous avez eu des échanges avec des gens justement du milieu littéraire, des bibliothécaires, euh, des libraires, euh, des, des éditeurs qui ont réagi à vos différentes euh, anecdotes, ou même quand vous les publiez dans le Guardian Est-ce que vous avez des retours des gens de la profession You mean for, for this book or Oui, for the... pour, euh, pour les revendeurs, pour la revanche les bibliothécaires. Yes, well, w w what's interesting about these cartoons to me is they, they have sort of three lives. The first time they appear, they appear on, in the newspaper on a, on a Saturday, and sometimes I'm, I'm on Twitter and I see that somebody's enjoyed it and they've taken a photograph of it on paper and shared that. and then that's kind of nice that somebody cares enough to to take a photograph of the paper but apart from that i don't really know how people react to the cartoons on paper um but then i share them on the internet and they get lots of attention and one of the reasons why i i called this book revenge of the librarians is i realized whenever i did a cartoon with librarians in it It went absolutely mad on twitter the the li, the librarian community um, not enough people are making cartoons if you If you want to make money as a cartoon, well maybe no you 're not going to make money if you If you want to get your cartoons out there, then you should put more librarians in them. Um, so I get feedback on Twitter and Instagram uh, for the cartoons, and then the third stage is. They, they, it comes out in the book and people see them all together. and i like the, the fact that they're collected. and really those two second stages on the internet and with the book is when i hear what people think about it. and um, generally people are positive and i think if you, if you love books, then it's just nice to see somebody making cartoons about them um, rather than you know, the political cartoons that we, we see a lot of. it's a bit of a niche interest. so i think that's nice. Oui, en fait, ce qui est intéressant avec ces cartoons, c'est qu'ils ont trois vies, puisqu'ils commencent par paraître dans le journal, donc euh, le week-end, et parfois, quelqu'un va prendre une photo d'un cartoon qu'il a particulièrement aimé et la partager sur Twitter. Donc bah ça, ça fait toujours plaisir, mais euh, j'ai pas énormément de retours par ailleurs des lecteurs de la version papier. Par contre, ensuite, moi, je les partage aussi sur Internet, sur euh, Twitter, sur Instagram, et là, par contre, ça fait beaucoup plus de bruit. Euh, la raison pour laquelle j'ai intitulé ce livre La revanche des bibliothécaires, c'est que dès que j'inclus des personnages de bibliothécaires, ça, part, ça fait complètement le buzz sur Twitter, parce que la communauté des bibliothécaires est incroyable. Donc on devrait avoir plus de, de dessins de BD sur les bibliothécaires. Pensez-y. Euh, Peut-être pas pour faire de l'argent, mais en tout cas pour qu'il soit diffusé largement. Ça marche très, très bien. Donc là, j'ai plus de retours. Et puis, la troisième étape, c'est le moment où ça paraît en livre, où ils sont, les lecteurs les découvrent tous ensemble. Et j'aime aussi le fait que ce soit un recueil de dessins. Et donc, c'est sur ces deux étapes-là, Internet et le livre, que j'ai plus de retours. En général, les gens réagissent positivement au fait de avoir ces cartoons parce que si vous aimez les livres, vous êtes plutôt content en fait, que quelqu'un dessine dessus plutôt que des cartoons politiques beaucoup plus répandus. Alors justement, vous dites des cartoons politiques, ce qui m'amène à vous demander, est-ce que vous avez quand même le sentiment que raconter ce genre d'histoires, euh, qui ne sont pas à proprement parler politiques, ne parle, traitent pas de l'actualité euh, euh, politique, sont quand même malgré tout d'une certaine manière un peu politiques au sens premier du terme Est-ce qu'il y a derrière, au-delà de l'humour, une envie de dire quelque chose Um yeah I think there is and I don't I suppose I use the word political to almost mean party political things and when I do get more political in in the cartoons it's almost like trying I'm trying to be philosophical rather than political if you see uh, the difference there and I guess what's interesting about making these weekly cartoons is I sometimes I'm so busy making them that I don't really think about what I'm trying to say. And then when it's published in the paper, I, I sometimes look at it and think, oh, yeah, I, I was trying to say that. And I was in such a hurry making it, it came from inside and almost didn't pass through my brain. So I try not to be cruel in the cartoons, and I generally try and be. Well, humor is always going to be negative, but, uh, but not be overly negative. So I, I sort of, I have a feeling there's enough bad things in the world. So I, I try and be positive even when silly, sad things are happening in the cartoons. Oui, en fait, quand j'utilise le, le mot politique, je parle de politique partisane. Et j'ai le sentiment que quand moi, je fais quelque chose de politique, c'est peut-être plutôt euh, philosophique ce que j'essaye de faire encore davantage que, que politique. Ce qui a d'intéressant dans ce, le fait de devoir produire ce cartoon toutes les semaines, c'est que je suis tellement le nez dedans et je dois tellement aller vite que je ne réfléchis pas toujours à ce que j'essaye de dire. Et c'est parfois uniquement quand il est publié que je réalise le message que j'ai fait passer qui est sorti qui s'est exprimé presque sans passer par le, le cerveau mais j'ai des choses que j'essaye de faire ou de pas faire j'essaie de ne jamais être cruel l'humour est souvent assez critique mais j'essaie toujours qu'il ne soit pas trop négatif il y a suffisamment de choses moches dans le monde j'essaie toujours qu'il y ait quand même quelque chose d'un peu positif J'aime bien l'idée de terminer cette rencontre sur le mot positif, avec tout l'humour et l'esprit que l'on trouve dans La Revanche des bibliothécaires, un album absolument délicieux, de, de, de drôlerie, d'esprit, euh, d'intelligence. C'est publié aux excellentes éditions 2024. On va pouvoir vous retrouver dans un instant, Tom Gold, pour une dédicace. On a euh, notre libraire juste en face. On pourra trouver votre album et vous, je crois que vous vous prêterez à l'exercice de la dédicace. Je voudrais remercier Marguerite Capelle qui n'a pas démérité, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous remerciez tous d'avoir été avec nous et puis euh, on attend le prochain avec impatience. Merci beaucoup, Tom Gold. Oh, thanks very much. Thank you. Thank you. Thanks everyone.